C'est quoi ça? Joël! Attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ah, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes. Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où? Non, bien de Hartford. Vraiment? On m'a dit que c'était pas la journée. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. On va ressembler à ici maintenant. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seul avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je comprends ça. Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Ellie, tu nous couvres. On dirait qu'il y avait quelqu'un là-haut, mais ils sont partis. Sam. Et où sont les autres? Avec elle. Ils voulaient refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil. On le prend par le flanc. Beau travail. Derrière toi! Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, c'est le camion. Et reste là.
Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui ai la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il ne servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors. Et toi alors? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non. Eh, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête? Aïe! Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Bah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu te colles. Me colles. Compris. Bien. Bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? Ouais.
C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Par ici. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Ça marche. Comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On a abattu quelques infectés. C'est bon. Allez, on avance. T'entends ça? Un claqueur! Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle! Regarde, le voilà! Là! Pas mal. Oh, fais chier. Et voilà. T'es mort, enfoiré. Essayez de vous planquer. Thank you.
Oh, oh merde! Hé, déployez-vous! C'est bon, tout va bien. Henri, file-moi un coup de main. Ok, t'es prêt? Arrêtez-vous. Hé hey, ils sont là-bas. Merde. Oh non. Ah, c'est bon. Allez, venez. Restez sur vos gardes. Allez, va jeter un œil. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez! Merde! Allez, vite! Allez! Vas-y! Faut le faire monter! Ok! Désolé. On s'en va. Quoi? Non! Quoi, tu déconnes? Allez, viens! Qu'est-ce que tu fous, Henri? Déploie, il pourrait venir ici.
Oh merde! Fouille cette zone. Plutôt bien, hein? Que ça te monte pas à la tête. Vise plutôt les leurs. Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde! Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de vous tailler. Hé, ça va, qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non, vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué.